Renouvelle nous boîte pour Guy Philippe dédoublé sous CARICOM. Il a décidé, c'est un collège présidentiel de 7 membres qui va prendre le pays. Guy Philippe fait connaître les boîtes de vêtements, pas de faire la mythe, c'est pas pendant le fin de sèche, ou le faire la mythe. Dans une vidéo qu'il a publiée, que je vais partager à Koumebla, mesdames, mademoiselles et messieurs, ancien sénateur Gonesla, je sais pas sous la ville, par aucune façon pour CARICOM t'a imposé le pays d'Haïti au gouvernement. On va parler plus, on a regardé, on va venir. Peuple haïtien, hier encore, nous voyons que la communauté internationale, là, à travers CARICOM, décidé pour le passé, le peuple haïtien, dans la bêtise. Donc, les gens, ça a fait depuis plus que un siècle. Nous connaissons que depuis après le départ, Jean-Claude Duvalier, la domination, ça a vu plus mal, ça a vu plus raide. C'est eux contrôler tout ça qu'on peut faire dans le pays d'Haïti. Ils crasent l'agriculture, ils détruisent les cochons créoles, ils assurent qu'ils ont une mauvaise presse tout partout, ils font connaître nos un accident, ils crasent tout ce que nous avons mis en place pour aider le peuple, et ils prennent contrôle total et réel pour voir qu'ils ont décidé en Haïti avec un seul objectif, la guerre Haïti dans trop. Peuple haïtien, aucun citoyen conscient, aucun haïtien, pas qu'à accepter ça, communauté internationale là, mettez devant nous. Premièrement, c'est communauté internationale là, en complicité avec élite pourrie et senti Haïti, politique et économique, qui l'a gagné dans trou que nous là. Deuxièmement, arrogance est arrivé trop, tellement loin que vous pensez que malgré tout ça, vous faites là, c'est yo qui a décidé. Qui est-ce qui pourrait diriger Haïti avec un objectif clair pour ressusciter, pour régénérer le système ça, qui n'est pas bon pour le pays. Encore une fois, je dis nous, l'évolution a marché, elle a marché très bien. Moi là, depuis 3 mois, je suis arrivé là, mais dans le pays, il n'y a pas aucun espoir. Et je dis, grâce à l'idée révolution, grâce à un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes qui croient dans l'idée ça, nous arrivons, montrer blanc, que Jean pense qu'il y a un contrôle de la en Haïti, ce n'est pas vrai. Blanc dit, pas de transition, non en transition. Créole parle, créole comprend. Nous dit Blanc, abonne l'autre transition parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas moun sa qui a mené la transition. Et il est obligé de faire bac. Devant volonté et détermination peuple haïtien. PM Ariel Henry dit, la place jusqu'à 2025 pour faire élection et remettre 2026. Encore une fois, peuple haïtien rappelle dit non, c'est pas vrai. Ça va fait. Et encore une fois, PM n'a obligé de faire bac malgré tout appui et support que lien dans la communauté internationale là, plus précisément corps groupe. Donc c'est pour nous montrer que plus gros force qui gagne, c'est peuple là. C'est pour nous dire que seul monde qui gagne légitimité aujourd'hui pour décider qui gens qui laisse qui va mener Haïti sous Raïli, c'est peuple haïtien. C'est nous seulement qui avons légitimité. Et nous avons force pour nous forcer. La bataille n'est pas facile. Parce que j'en ai pensé, quand on a l'histoire, tout peuple qui n'a tout que n'y a là, le peuple allait le camper. Le plus souvent, il déconjoint un support, force publique. L'armée d'Haïti, ou bien on partit dans l'armée d'Haïti, par exemple. Police nationale, ou bien on partit police nationale. Malheureusement pour nous, le peuple haïtien, nous n'avons pas de support, mon Dieu. Il a campé en face, puis il défend le statu quo. Sous prétexte que c'est l'ordre public qui a défendu. Et au bien qu'on est. Pour qui ça? Pour un petit chèque? Mais au fait. Vous mettez en face le peuple là, craser le peuple là, tuer le peuple là, pour assurer que y a, pour pérenniser le système ça, pour mettre yo, pour patron yo. Moi, je souhaite que le secteur, puisque le secteur là-dedans quand même, qui a conscience, qui a brûlé la situation pas bon, après conscience, même un peu tard, il a campé. Pour camper avec le peuple, pour dire non, pour camper avec le peuple, et mener le peuple, ensemble, côté nous en vie rivière. Maintenant, nous pour nous mobiliser. Décision CARICOM n'a pas de décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est-ce qui va venir diriger Haïti. Il n'a aucune légitimité pour venir décider pour nous. C'est nous qui vous décidez. Et seuls gens pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser.
Même jeune fait blanc fait bac sur question pas bien transition dans transition. Même jeune fait bac dans question arrêt là il va font pas. Même jeune nous fait gouvernement haïtien fait bac dans question la plage jusqu'à 2026 là. C'est nous camper encore dans la rue. Puis les bétons pour nous dire blanc CARICOM encore une fois. Ou pas comme même grand monde là caillou. C'est haïtien qui a décidé qui laisse cap diriger Haïti. Si nous croyons dans ça. Si nous voulons changement réel là, radical là. Même je ne fais pas travail ça déjà, on continue mobilisation. On mobilise, on campe. Et on dit, cette fois-ci, nous avons joué Haïti que nous rêvons. Et cette fois-ci, le système n'a pas tourné encore. Nous avons crasé le système, nous avons détruit le système, nous avons démantelé le système. Et ce que je appelle, c'est mobilisation, c'est détermination, c'est force, c'est courage. Nous souhaitons la police nationale acclamée d'Haïti à suspendre, à agiter comme force, reste avec. Et mettez au service de nation. Merci. Je vous souhaite de garder là, c'est pour ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. Ancien sénateur Guy Philippe, monsieur dédoublé, monsieur cementé sous la ville. Ne pas dire CARICOM pas capable de imposer un gouvernement. Je vous rappelle que CARICOM, à travers un tête que vous faites, donc, il a décidé donc, pour porter à un gouvernement dans moins que 48 heures de temps. À travers plusieurs propositions qui étaient faites dans l'idée pour justement faciliter Tim Cheo être capable de prendre contrôle le pouvoir en bas dans le pays d'Haïti. Et bien, dans le moment même, nous parlons là, mesdames, mademoiselles et messieurs, sénateur Guy Philippe lui-même, il fait connaître quelle que soit façon, depuis ce n'est pas lui-même la société. Donc, qui dit, mais qui type de monde a besoin? Mais qui ça a fait? Malheureusement, ça n'est pas capable d'arriver, on n'est pas capable de faire. C'est grand gouvernement ben nous là. Parce que là pas facile non mesdames mademoiselles et messieurs. La problème que classe politique là en bas en Haïti qui déchire coup de peine puisque yo tout tare mes présidents, yo tout tare mes chefs. Yo non bagaille seulement que m'a dit tête moi, c'est pas long gaspillage total. Imaginez pour 7 nèg pral dans un collège présidentiel. Elle a dit pour que 7 présidents, tout nèg ça pral gon groupe monde qui a gagne machine et officiel, tout nèg ça pral gagne un groupe monde qui yo gagne même pouvoir, yo tout temps pral décider ensemble, yo pral bay ti ménage yo ti bout yo paquet poste. Elle a dit ça qui a passé là, ton bagaille qui exceptionnel, son bagaille tête chargé pral passer là. Et si yo ta une division en mitan yo, comment on pral faire pour résoudre problème non? Donc son pays qui en fait, donc dans moment on a parlé là qui sans doute qui pral gagne plus crise la donne si réellement un problème n'a pas résoudre à la base. N'a pas dit que monsieur eux-mêmes en dans opposition, ça qui intéresse eux, c'est pas ouais pays à progresser, c'est pas ouais pays problème n'a résoudre, c'est pas ouais sécurité à résoudre, mais c'est ouais plutôt donc eux-mêmes yo gè contrôle donc gouvernement côté que eux-mêmes yo capable faire comme que vous voulez. En tout cas, il a dégagé eux pays à pour eux, mais seul ça que me dit nous, il y a 7 nèg ou mes femmes garçons qui parle en dans yon seul conseil présidentiel, pral gen deux moun qui représente chaque secteur. Chaque secteur ça pral obligé gen moun kap bay ou l'argent n'importe façon. Donc yon pral commencer piller voler rapide vite. Yon pa gen trop temps devant yon, yon dégage yon pour yon voler, pour yon manger tout ça yon pito. Donc payant justement la pretourne nan plus katoumbe, la pretourne nan plus problème encore. Et pendant ti monsieur yon même, donc yon a fait tout mouvement que yon capable en Haïti. En tout cas, n'a pas fini. L'autre point capable dominer actualité a tout de suite après Mouché Ariel Henry te fin annoncé il y a une installation conseil présidentiel là pour lui finalement retirer toute colle dans tête pays d'Haïtien. Et bien pays Kenya annoncé au même tout, yo camper sous affaire voyer force la venir en Haïtien. Donc pour l'instant, yo fait qu'on est toujours possible pour capable à prendre tête mission mais faut que déjà il y a un collège présidentiel qui déjà monté. Il a dit faut que gouvernement est monté, faut que gagne fait choix de gouvernement, faut que décide entre yo, faut que choisi tout moun yo. Entre-temps, nous gagne comprendre, nous pense nous gagne comprendre tout qui quantité jour, qui quantité temps. Donc ISO t'il appli tout nèg sa yo, y a gagne pour faire plus temps. Il y a l'autre monde qui t'a même interprété décision de la position de monsieur Kenya yo, c'est justement par rapport avec compréhension yo, yo justement parlé vide en Haïti vrai. Donc yo pas gagne vraiment mot, yo pas gagne vraiment levier, mais pas vraiment gagne parole pour yo dire. Donc pour yo bail là pour permettre que yo comprenne mesdames mademoiselles et messieurs, mais qui décision que a prend. En tout cas, yo n'a bagaille que m'ka di nou, Kenya yo campé sous mauvais grain, donc yo pas décidé réellement venir en Haïti. Donc c'est tout de suite Ariel Henry fin dit ça et puis eux-mêmes ils dit que yo pas fini, OK? Yo pas fini tout et c'est Tanya Pton gouvernement fin installé
immédiatement le gouvernement fin installé. Donc laisse ça et on va comprendre qui ça va là. Donc même si pays a un petit gens difficile, mais là date de monsieur Sao et qui est-ce qui nous fait nous songer? OK, là date de monsieur Sao, qui est-ce qui nous fait nous songer? Et là date si magistrat tout, qui est-ce qui nous fait nous songer? Donc en tout cas mesdames et messieurs, c'est un moment difficile, nous pas oublier tout ça, n'a regarder là. Donc côté monsieur il y a un moment mesdames messieurs, qui ça va faire avec si vous arrivez monsieur 24 à 48 heures pour conseil là li installé. Donc voilà, c'est ça. OK, conseil là installé comment? Parce que je suppose que nous discuter de tout petit détail puisque son bon gros chef qui t'a discuté hier. Nous discuter de tout petit détail. N'a soumettre nous yo by CARICOM. C'est une question. N'a soumettre nous by CARICOM. CARICOM a fait un gros communiqué pour dire mais non monde qui dans et conseil présidentiel là. Et l'autonomie par la suite? Non, c'est pas CARICOM. Expliquez-nous. Gagne un gouvernement intérimaire qui l'a, qui a même de prendre des décisions. Et donc, il a finalisé processus là. Et maintenant, des anciens premiers ministres Ariel Henry qui démissionnait formellement, qui mettait les disponibles pour lui accompagner le processus jusqu'à ce qu'il finisse pour gagner mise en place son l'autre gouvernement. OK. Donc côté légal là, si je comprends bien, et administratif, c'est le gouvernement qui remplace ça qui va gagner pour le faire. Si je comprends bien l'explication à bail là. Sous son j'ai commandé fait sous moi les montés à diriger gouvernement AI pour gouvernement cabinet avec légitimité sont arrêtés que nous prend pour nous faire ça. Donc il y a un gouvernement qui là je dis à qui démissionnaire mais qui doit assurer une passation normale. L'autre gros bataille qui va gagner pour mener et bon d'attendre monsieur Baldassar d'aller là on connaît le compte ça dit ah oui mais et l'autre bataille véritable bataille pour mener hein, c'est pour qui est qui va prendre présidence conseil présidentiel là et c'est élection qui va gagner pour faire au niveau de cette membre. Bon oui, capable fait gagner trois processus gagner consensus qui mettez d'accord entre yo les Oshita ça parle dépend de yo. Yo capable faire vote, oui. Yo capable d'arranger au fond tirage au sort. C'est toi processus ça qui gagne. Bah qu'on essaie gagne l'autre et yo même imagination yo capable mettre campé pour y revient yo même automatiquement secteur finouré yo pour définir mécanisme qui pour permettre que yo véritablement et choisi entre yo qui est capable de diriger conseil là. L'autre enjeu important encore qui gagne autour de conseil présidentiel là, c'est pour le choix premier ministre. Donc c'est encore 7 membres conseil présidentiel là qui va gagner pour définir critères et puis choisir le premier ministre. Bon oui, entre yo et ça va lui dire tout que secteur automatiquement yo fin choisi représentant yo même yo. Yo pas yeux sur processus mais oui c'est entre eux pour choisir un premier ministre consensus au monde qui est capable de ratisser l'âge au monde qui inspire confiance au monde qui pas pour si main division de la société qui est déjà trop divisée donc nous c'est là où on allait je veux dire. Yon moun tou ki pa yon politik ki pral panse pral nan eleksyon, ki pa gen akwetans avèk goup anme, mwen tout sa defini tou, e ki d'akò avèk deploaman fòse multinasyonal la, mwen se antre te kriter pou vini, non selman pou vini mamb kontè prezidansyel la, e se wèm kriter sa an tou pou premier ministre. Oui, oui, m'passe que, et ça y est aussi valable pour le premier ministre. C'est pas un monde qui gagne pour l'élection. C'est pas un monde qui peut utiliser fonds d'État pour appuyer un groupe politique contre un autre groupe politique. C'est pas un monde qui gagne un agenda politique. C'est pas un monde qui gagne un agenda politique. Ouais, moi non.
c'est pas un monde qui a un agenda. Excusez-moi, c'est pas un monde. Non, c'est pas Jeff. C'est pas un monde qui a un agenda politique qui va venir implémenter personnel ou bien de groupe. Mais c'est un monde qui est capable un rassembler de mener nous vers élection, mener nous vers question référendum, etc. Donc moi pense que c'est là pour aller. Ok. Aider trouver le long groupe là qui gagne aider, qui gagne red, qui gagne compromis pour faire choix par loi dans le conseil présidentiel là. Et ou souguez nous encore tout dit moi question choisie. S'il vous plaît. Non, nous beaucoup gagné. Non, mais parce que dans moins que 24 heures, il m'a payé le nouvel liste. Non, moins que 24 heures, c'est pas moi-même qui viens pour choisir lui. Moi, parce que moi, quitté lui avec monsieur Red, dame Red, de compromis pour y faire choix. Et puis, eux-mêmes, il a communiqué avec la presse. Ou t'es toujours à demander à Ariel Henry pour lui démissionner comme premier ministre, ou t'es dans opposition ouverte et dure ensemble avec lui. Il a annoncé hier soir officiellement gouvernement là, avec lui, même après tirer Koyo, lorsque le conseil présidentiel est effectif. Nos réactions sur ça. Magique 9. Allô? Sans stress. Vous entendez, oui? Oui, nous recevons là. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? C'est normal, vous répondez. S'il vous plaît. Ok, nous, on a dit que, ou même personnellement, ou t'es dans opposition dure avec Ariel Henry, ou t'es toujours à prendre des démissions. Et là, je pense que la communication, mon petit problème là avec Dr. Claude Joseph. Il est retourné. Il est là. On réaction sur façon et Ariel Henry a annoncé démission lui-même avec le gouvernement là, Dr. Joseph. Oui. Alors, ça, moi, et. Moi, m'a dit c'est pas une victoire pour personne et son démission qui peut-être monde qui a dirigé yo pas jamais apprendre de l'histoire que maintenant et OK. Allô? Entendez-moi? Oui, moi d'aller là. Oui, moi t'a dit c'est pas une victoire pour personne et la démission de monsieur Ariel Henry. C'est vrai, moi-même, personnellement, plusieurs autres mondes, parti comme là dans l'an, ou groupement comme là dans l'an, organisé manifestation dans tout le pays, vous demandez à Ariel Henry pour l'aller, c'est pas ton problème personnel. D'accord? Nous avons des différences sur les gens qui ont dirigé le pays. C'est ça que nous, c'est pas une victoire pour personne, pour mon réjouir, c'est pas un moment de fête. Et si, monsieur Ariel Henry, de l'autre côté, va gagner pour reprocher, il va gagner pour retourner dans le pays. Pour lui vivre, pour lui fonctionner. C'est pas justice qu'il pour reprocher, il y a reprocher, mais il n'y a aucun monde servi à pouvoir, à position pour lui faire persécution politique, à vengeance politique. Donc, moi, je pense que c'est son moment de réconciliation, moment de transition, ça a doyé. Donc, moi-même, c'est une victime de persécution politique, moi, comme ça m'a dit. Donc, moi-même, je parle de personne, monde, et qui est adversaire politique, moi. Victime de questions ça et moins profiter moment ça tout pour condamner comportement République dominicaine envers Premier ministre Ariel Henry. Premier ministre Ariel Henry est encore Premier ministre même si nous-mêmes alors pour l'international même si nous-mêmes nous sommes toujours qualifiés comme ancien Premier ministre mais monsieur Ariel Henry était toujours en exercice les Saint-Domingue déclaré non grata en République dominicaine. Moi, je pensais que c'était un bagage qui n'est pas bienvenu, malvenu. Donc, nous-mêmes, nous toujours, malgré nos gains de différence sur question gouvernance avec M. Ariel Henry, il n'y a pas de jambes de personnel. Donc, nous-mêmes, nous pensons que M. Ariel Henry, pas gagne l'autre bagage pour reprocher avec. S'il va commettre de crimes transnational, il vient pour le tourner dans le pays pour vivre avec famille, c'est bien famille, pour y avancer. Moment ça, encore l'autre fois, il n'y a pas de moment pour aucun groupe à servir avec position pour persécuter l'autre groupe. Ce n'est pas un moment de victoire pour personne. Moment ça est important. C'est un moment où il y a demandé. Pour te gagner un consensus national, pour te gagner un conseil présidentiel, pour nous avancer.
c'est pas moment aucun monde 1 à 0, 2 à 0, 3 à 0, pas rien ça. Ok. Transition ça, son transition de sagesse pour le doyer, son transition d'humilité du doyer, son transition qui doit mener nous vers un processus, une élection crédible, honnête. C'est une transition qui n'est pas de contre groupe monde qui prend un point, ou bien prend tout, ou bien servir avec pour déposer personnel ou servir avec pour avancer agenda politique ou au détriment de leur groupe. Nous comprenons l'explication, monsieur et docteur Claude Joseph. Vous soulignez si la justice pas reproché à Ariel Henry, même quand on a un gros bagage pour reprocher à Ariel Henry. Bon, on va parler de la justice. Même si je me reproche à Ariel Henry quelques bagailles, moi pas gagné pour moi faire. Vous passez pour sur ça? Vous passez pour sur ça? Parce que c'est. Non. Moi-même. Moi, t'es une grosse différence. Moi, toujours une différence avec M. Henry, façon de gouverner, façon de faire, mais pas tout le point faire consensus, façon de penser que pouvoir, c'était pouvoir, dit t'es une Baptiste Pays, j'en ai gouverné, et pour une transition qui durait 3 ans, qui n'a pas aucun agenda, une transition qui fait 3 ans, qui n'a pas même mis un conseil électoral provisoire campé, qui n'a pas un comité d'experts pour révision de la constitution. Moi, toujours eu un problème ça avec M. Henry. Et maintenant, parce que j'ai eu un problème avec lui, je vais pouvoir utiliser l'espace de l'État et l'espace pouvoir pour persécuter le politiquement. D'accord? Et si lui-même, et demain, il a vu une opposition face avec un pouvoir quelconque, je vais gagner pour instrumentaliser la justice contre lui. Moi-même, je suis son victime de l'instrumentalisation de la justice. On compte ça veut dire. Je dis à moi, je ne vais pas la voir là. Moi, je constate inculpé dans le dossier Jovenel Moïse. Oui, c'est moi, Claude Joseph, qui est la principale voie qui prend des justices. C'est moi qui fais tout effort. Ça même inculpé. Et pas de monde qui est censé ne pas connaître que son inculpation politique. Même fait appel. Et bah, oui, vous tournez page là. Même Babral et fait vengeance à personne monde. Et si on joue m'ta gain pouvoir nan même dans élection, c'est élection, c'est pas transition. Ça veut dire pour là, m'pa souhaite aucun monde penser parce que son caveau yon moun nan conseil présidentiel et qu'on gain pouvoir. Moun qui besoin faire gros réforme, moun qui besoin faire gros changement majeur. Et c'est pas nan transition pour yon profiter, régler cause avec un autre groupe, c'est nan élection pour y aller. Nous-mêmes, nan parti RED, plateforme RED, aider. Nous-mêmes, dans le compromis, hein, nous pensons que c'est dans l'élection qu'on doit pouvoir. Donc, nous-mêmes, c'est ça qui est important pour nous. Et si vous gagnez pour montrer meilleur qu'on l'autre groupe, si vous montrez sur le monde. Discussion dans l'élection pour pouvoir, il évolue. En tout cas, c'est évolué là, parce que là, nous allons pouvoir, ce n'est pas une élection qui va aller avec le conseil présidentiel là, Dr. Claude Joseph. C'est pouvoir, nous allons prendre, ce n'est pas une élection qui va aller. Maintenant, oui, nous allons toujours continuer à pouvoir lorsque nous allons aller dans l'élection. Monsieur Geoffroy, nous-mêmes, nous allons aider, nous allons pouvoir, ça va intéresser nous, nous allons ça. Et nous allons suivre l'action, nous pouvons, d'accord? Donc nous-mêmes, nous allons pouvoir le conseil présidentiel là. Non, c'est pas son espace décisionnel. Son espace décisionnel pour certain que ça qu'a pas le fait là, dans la question de transition, hein, c'est pas agenda anti-groupe qui pourra l'implémenter contre l'autre monde. D'accord? C'est pas pouvoir. Bon. Maintenant, on garde pour hypothèse rapidement avant nous. Très fatigué. Et on a des hypothèses concernant Limouté, gouvernement Limouté et Premier ministre Lila, tout ça là. Et comment nous allons attaquer la question Gagnon? Et là, nous pensons que Gagnon est fort et M. Geoffroy, c'est parce que l'État est faible. Effectivement, c'est l'État pour renforcer, c'est confiance qui peut inspirer. Et dans la police là avec un leadership au niveau de la police là qui inspire confiance avec les policiers yo. Parce que il y a un policier que nous gagnons yo il y a un peu de courage d'ailleurs non ouais quand ils ont tenté de parler pas capable nous ouais c'est parce que pouvoir était là pendant 10 jours
Après des heures, je finis par dans quelques centres carcérales, dans la prison, et la prison, etc. Mais gros, véritable, sans pouvoir, évidemment. Donc, ça qui doit bien, c'est volonté, mais c'est parce que ce n'est pas volonté seulement, et pour les capturer par les primatures, il y a seulement, mais il y a un équipement tout. Donc, là, on police, la police qui est bien équipée, on police qui est bien payée, qui est bien entraînée, qui c'est véritablement un instrument l'État